Guinée équatoriale, au Gabon, au Congo-Brazzaville et au Tchad. Dans tous ces pays, le président en exercice de l'Union africaine a eu des échanges intenses, des échanges sincères avec ses pairs, devant la résurgence des foyers de tension sur le continent, devant la situation que présente l'Afrique qui n'arrive pas à parler d'une seule voix. Il fallait une rencontre de vérité où le doigt sera mis sur les problèmes réels qui ne font pas avancer le continent. C'est cela que le président Boni Yayi a vite compris en conviant ses pairs à une rencontre informelle prévue pour le samedi du 8 février à Cotonou. Plus d'une vingtaine de chefs d'État africains sont attendus à cette réunion de concertation où des propositions seront dégagées pour être soumises au prochain sommet de l'Union africaine qui aura lieu en juin à Lilongwe au Malawi. Le moment est venu pour que nous nous retrouvions, ne serait-ce que dans un cadre informel. Les grands de ce continent, qui détiennent l'histoire de notre continent, qu'on fasse l'état des lieux, la situation des foyers de tension qui secouent aujourd'hui notre continent. Donc, à partir de là, où est-ce que nous allons? Donc, c'est dans ce cadre-là que je suis venu voir le président. Alors, je dois vous dire que, au titre, disons, de cette concertation, figurera le point relatif à la crise libyenne. Donc, je suis convaincu que, ensemble, nous allons en discuter. Et le président va exposer son plan. Et nous allons certainement converger vers une situation, vers, disons, une conclusion. Qu'est-ce que nous pouvons faire? L'esprit qui compte, que nous prenions en main notre continent, que nous affichions une détermination politique pour que nous puissions y mettre fin, parce que sans la stabilité, la paix et la sécurité, on ne peut jamais aller à la prospérité et au développement de nos peuples sur le continent. Et au même moment, comment gérer nos partenariats stratégiques avec les partenaires extérieurs qui veulent nous aider, parce qu'il y en a qui disent, bon, nous sommes prêts à vous aider pour qu'il y ait la paix sur le continent. Donc, nous allons à Cotonou examiner toutes ces questions-là. Tous les chefs d'État rencontrés au cours de cette mini-tournée ont fortement apprécié l'initiative du nouveau président de l'Union africaine. Une initiative prise d'ailleurs pour la première fois par un président en exercice de l'organisation pour éviter les blocages. Le dernier sommet de l'Union africaine, ne l'oublions pas en effet, n'a pas permis d'élire le président de la Commission de l'Union, le mandat de Jinping étant arrivé à expiration. Conscient donc de ses nouvelles responsabilités, le président Boni Yayi n'a pas voulu perdre le temps avant d'entamer la mission pour laquelle il a été investi par ses pairs lors du dernier sommet de l'Union africaine tenu fin janvier à Addis Abeba. Ce mandat reçu par le chef de l'État intervient d'ailleurs à un moment crucial où les foyers de tension se sont multipliés sur le continent. Que ce soit donc à Malabo, à Libreville, à Brazzaville et à N'Djamena, le président Boni Yayi, accueilli à l'arrivée comme au départ avec les honneurs, a bénéficié d'une oreille attentive de ses pairs qui ont marqué leur accord pour la rencontre du 18 février à Cotonou. Je participerai avec beaucoup de plaisir à cette rencontre informelle à Cotonou. La situation actuelle, elle n'est pas bonne. Elle est très inquiétante. Donc c'est aux dirigeants africains de se rencontrer et de donner, je pense, que l'espoir au peuple africain. Mon frère Yayi Boni, c'est une idée très intelligente, très importante. Nous n'avions pas l'habitude en Afrique de ce genre de rencontres. Mais il fallait qu'il y ait un homme qui ose et qui initie cela. Il l'a fait. Durant son périple, le président en exercice de l'Union africaine a assisté à la finale de la 28e édition de la Coupe d'Afrique des Nations qui s'est déroulée à Libreville. Une 28e édition qui a enregistré comme finaliste la Zambie et la Côte d'Ivoire. Le chef de l'État ivoirien avait naturellement fait le déplacement de Libreville pour soutenir les éléphants. Alassane Dramane Ouattara s'est aussi entretenu avec le président Boni Yayi, un entretien qui a eu lieu avant la finale et au cours duquel on a vu le président ivoirien très décontracté, tellement la Côte d'Ivoire a la chance de remporter le trophée continental. La suite, on la connaît. C'est la Zambie qui a gagné la Coupe d'Afrique des Nations. Après avoir assisté à l'allumage de la flamme de la paix et reçu le fanion de la FIFA, le président Boni Yayi, président en exercice de l'Union africaine, était encore aux côtés des chefs d'État des pays co-organisateurs de la CAN
et des officiels de la CAF et de la FIFA pour la remise du trophée. Comme on le constate encore, depuis quelques années, le Bénin est toujours présent au grand rendez-vous. Le Bénin, reconnu pour sa stabilité, ne manque pas aussi d'initiative. Autant de facteurs qui suscitent l'admiration et qui ont sans doute pesé dans le choix du nouveau président en exercice de l'Union africaine.